On va se lever ce matin. Bonne fête à toutes les mamans qui sont déjà ici présentes. C'est un privilège d'être dans la maison du Seigneur. Oh, qu'il est bon pour des frères et des sœurs de demeurer dans sa maison. Est-ce qu'on peut oser dire un Alléluia ce matin? Alors ensemble, osons dire un Alléluia. Ah, c'est beau ça! Un chant s'élève, les yeux se tournent vers. Se tourne vers toi. L'espoir renaît, les cœurs soupirent après toi. Oui, après toi. En te voyant. En te voyant, nous retrouvons la force de vivre. Quand nous sommes en ta présence, nos craintes fuient. Elle s'enfuit. Hosanna, Hosanna. Tu es le roi, le sauveur. À toi la gloire et l'honneur. Hosanna, Hosanna. Nous t'accueillons. Sois le bienvenu, ô Jésus. Entends le son des cœurs qui reviennent à toi. Reviennent à toi. Dans ton royaume. Je suis restauré, je suis restauré. En te voyant, nous retrouvons la force de vivre. Quand nous sommes en ta présence, nos craintes fuient, elles s'enfuient. Hosanna. Sois le bienvenu, ô Jésus. Ensemble, nouvel espoir, entends. Entends le son des... C'est beau d'entendre les cœurs. Reviennent à toi. On le croit ce matin. Dans ton... en te voyant, nous retrouvons la force de vie. Yeah! Quand nous sommes en ta présence, nos craintes fuient. En te voyant, nous retrouvons la force de vie. Quand nous sommes en ta présence, nos craintes fuient, elles s'enfuient. Hosanna, Hosanna, tu es le roi, le sauveur, à toi la gloire et l'honneur. Hosanna, Hosanna, nous t'accueillons.
bienvenue. On peut applaudir ce matin. Souhaiter la bienvenue, non pas à un homme, mais au Seigneur des Seigneurs. On peut pousser des cris de joie ce matin. En Christ l'air, mon espérance, sa justice est mon assurance. Il est devant Dieu mon appui, je n'en veux point d'autre que lui. En Christ seul. En Christ l'air, mon espérance, ma justice est en lui. Sa justice est mon assurance. Il est devant Dieu mon appui. Je n'en veux point d'autre que lui. Jésus-Christ, mon roche. Lorsque sur moi s'abat l'orage, lorsque sur moi s'abat l'orage, sa croix ranime mon courage. Oh, quand tout faiblit autour de moi, sa on va le proclamer ensemble parce qu'il va revenir. Quand il reviendra, quand il reviendra nous trouver en lui pour toute l'éternité, comme une armée revêtue, revêtue de sainte justice et sans blâme devant. Une dernière fois, quand il reviendra. Quand il reviendra nous trouver. Nous ne sommes pas seuls en lui. En lui pour toute l'éternité. Revêtu, revêtu de sainte justice. Et sans gloire.
gloire, hommage à mon roi. Je suis émerveillé devant ta sainteté. Je viens me prosterner, indigne de m'approcher. Je chanterai à jamais ta gloire, ô majesté. Je t'aimerai à jamais, prince d'éternité. Les cieux. Les cieux m'ont raconté l'éternel destiné. Tu es le Rédempteur, le Tout-Puissant Sauveur. Je chanterai à jamais ta gloire, ô majesté. Je t'aimerai à jamais, prince d'éternité. Ensemble, gloire. Gloire, gloire, hommage, hommage à mon roi. Chantons ensemble, gloire. Gloire, hommage à mon roi. Le voile est déchiré. Le voile est déchiré, je peux m'abandonner. Une brèche dans le ciel pour la vie éternelle. Je chanterai à jamais ta gloire, ô majesté. Je t'aimerai à jamais, prince d'éternité. Chantons gloire, gloire, hommage, hommage à mon roi. Je chante gloire, gloire, hommage à mon roi. Nouvel espoir ensemble, gloire. Gloire, gloire, hommage, hommage à mon roi. Gloire, 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 hommage, hommage à mon roi. Donner hommage ce matin. Même si les océans se déchaînent, je les traverserai avec toi. Père, tu domines de l'air, tempête. Je suis tranquille, car tu es là. Je suis tranquille. Abrite-moi sous tes ailes. Seigneur, couvre-nous ce matin. Couvre-moi. Par ta main. Par ta main.
puissante. Abrite-moi, Seigneur, abrite-moi. Abrite-moi. Sois manifeste avec ta présence, Seigneur. Sous tes ailes. Couvre-nous. Couvre-moi par ta main puissante. Même si les océans se déchaînent, je les traverserai avec toi, Père. Père, tu dois ton père. Je suis tranquille, car tu es là. Je suis tranquille, car tu es là. En Jésus seul. En Jésus. Nous nous confions en toi, Seigneur. Je me confie. Tu nous donnes. Il me donne. Force qu'on est puissant. Même si les océans se les traverserons. Je les traverserai avec toi. Père, tu domines. Père, tu domines les tempêtes. Je suis tranquille, car tu es là. Je suis tranquille, car tu tranquille. Je suis tranquille, car tu es là. Je suis tranquille, car tu es là. Alléluia, alléluia. Prends le temps de saluer quelqu'un derrière, devant toi, à tes côtés. Dis-lui bienvenue, bienvenue à Nouvel Espoir. Bonne fête des mères si c'est une maman. Bonne fête des mères. Si la personne n'a pas une maman, dis-lui, je suis là pour toi aussi. Je suis là pour toi. Hein? Ta maman m'a donné une mission, c'est m'occuper de toi. Amen. Amen. Vous pouvez prendre place et sans plus tarder, on va demander aux annonces. Bienvenue à l'église de Malessoir, une église de personnes transformées pour transformer. Voici les annonces. Nous aimerons vous rappeler de mettre vos cellulaires en mode silence pour de l'éteindre. Est-ce que vous désirez servir et vous engager dans un ministère? Il y a plusieurs services qui ont besoin de bénévoles, tels que l'accueil, l'administration, les multimédias, métamorphose, l'entretien ou la louange. Nous avons besoin de vous. Écrivez à info@eglisenouvelespoir.com ou donnez votre nom à l'administration. Avez-vous des enfants? Le service métamorphose est pour vous. C'est un service d'enfants engagé sur l'enseignement pratique et biblique dans un environnement sécuritaire. Dès que vous arrivez pour le service, vous pouvez directement déposer vos enfants. À l'église Nouvel Espoir, il y a plusieurs moyens de donner, car nous savons que Dieu aime celui qui donne avec joie. Et l'opportunité de donner ne manque pas. Vous pouvez donner par Interact, chèque et canton à l'administration à chaque dimanche matin. Vous pouvez aussi donner en ligne via le site web eglisenouvelespoir.com. Vous pouvez donner par virement Interact en utilisant l'adresse courriel info@eglisenouvelespoir.com. Ou encore en ajoutant l'Église Nouvel Espoir comme fournisseur ou bénéficiaire auprès de votre institution bancaire.
Un vendredi par mois, nous aurons la soirée choc pour les jeunes de l'église. Ce service débutera à 19h. Nous avons des activités et des enseignements engageants à ne pas manquer. La date de la prochaine soirée choc sera affichée à l'écran. Êtes-vous intéressé à être baptisé par immersion? Nous planifions le baptême le jour de la Pentecôte, le 28 mai 2023. Donnez votre nom et informations à l'accueil pour les prochaines étapes. Êtes-vous intéressé à tout le monde? Donnez votre nom et votre information à l'administration et on communiquera l'information et la date du cours de votre prochain. Restez à l'affût. Nous aimerions souligner le jour de la Pentecôte par un dernier portage. Claudia et l'équipe de l'accueil auront la liste des animaux. Et vous pouvez offrir votre nom en tant que bénévole pour aider à la préparation de la nourriture et pour aider le jour. À chaque dernier vendredi du mois, nous aurons notre prière. Car Jésus a dit, « Ma maison sera une maison de prière pour toutes les nations. » Rejoignez-nous en grand nombre. La date sera à l'écran. Ici pour la première fois, nous aimerons vous accueillir parmi nous. Veuillez le signaler par le lever de la main et les placés de l'accueil vous offriront un papier comme ceci à remplir pour ensuite recevoir un cadeau à la fin du service. Baptisé. Si vous n'avez pas été baptisé, si vous avez quelqu'un qui a à cœur d'être baptisé, il y a une liste en arrière où est-ce que vous pouvez écrire les noms encore cette semaine, de prendre le temps pour cela. Et la deuxième chose que j'aurais aimé aussi, la semaine passée, il y en a plusieurs qui ont commencé à lire le livre de Romains 20 fois. On a jusqu'au mois de septembre, mais il y a à l'accueil, Claudia et Faradia ont un signet qui peut vous aider quand vous lisez cela. Alors, si vous voulez le signet, allez à l'arrière. On l'a envoyé par courriel, l'Église l'a envoyé par courriel, mais c'est aussi à l'arrière. Vous savez qu'il n'y a pas de pastoral sans femme du pasteur. Quelqu'un devrait dire amen. Et si la femme du pasteur, ça ne va pas pour le pasteur aussi. Alors, on peut applaudir pour pasteur Myriam. Merci. Alors, joyeuse fête des mères à tous, et les mamans, à tous les mamans biologiques, mais aussi à tous les mamans spirituelles que nous avons ici. Vous savez, à l'âge de 4 ans, on a cette mentalité que ma maman peut tout faire. Vers l'âge de 8 ans, on a cette pensée que ma mère en sait beaucoup. À l'âge de 12 ans, on dit « ma mère ne sait pas vraiment tout ». À l'âge de 14 ans, on dit « naturellement, maman ne sait pas cela non plus ». À l'âge de 16 ans, on peut penser « maman, elle est désespérément démodée ». À 18 ans, on peut même dire « cette vieille femme, elle est dépassée ». À 25 ans, eh bien, elle sait peut-être un peu plus là-dessus. Là, on redevient un petit peu plus sage. À l'âge de 35 ans, on peut penser « avant de décider, prenons l'avis de maman ». À l'âge de 45 ans, on peut se dire « je me demande ce que maman en aurait pensé ». Et à 65 ans, j'aurais tellement aimé pouvoir en parler avec maman. Alors, pour toutes les mamans, juste une main. Vous savez, on ne sait pas à quel point quelque chose est précieux avant de le perdre. Et c'est à l'âge de 38 ans que j'ai perdu ma maman, que vous avez perdu un pasteur ici, pasteur Jeannine. Et c'est seulement dans la perte qu'on réalise pleinement ce que tu as. Alors, s'il vous plaît, appréciez vos mères et n'attendez pas de les perdre pour les honorer. Alors, les mères sont importantes car elles présentent une sécurité, une source d'affection et de réconfort pour les enfants. Il y a aussi les mères adoptives, les mères spirituelles, les gens qui investissent dans des gens et qui apportent des fruits. Je pense à Pasteur Carole qui investit dans tous vos enfants dimanche après dimanche. Elle est une mère spirituelle pour vos enfants. Et j'ai vu, dans mon voyage en Afrique, j'ai eu l'occasion d'aller visiter le seul grand singe qui existe au Congo, la République démocratique du Congo, qui s'appelle le bonobo. Et le bonobo est seulement au Congo parce qu'il est entouré d'un fleuve. Et ce singe en particulier
Il se fait tuer en ce moment beaucoup. Ils étaient 100 000, maintenant ils sont 20 000. Et il y a un sanctuaire où on est allé visiter qui prend les bébés sans maman parce qu'il y a un problème. Si un bébé se retrouve dans la forêt sans maman, il va se laisser mourir. Si on peut mettre le prochain diapo. Il va se laisser mourir parce qu'il a besoin d'une mère. Pas pour seulement se nourrir, parce que parfois ils sont capables de manger sans la maman, mais pour l'affection. Alors, les premières 5 années, un bonobo a besoin d'une maman, a absolument besoin d'une maman, et une maman adoptive fait l'affaire. Parce qu'une maman adoptive, et c'est des humaines, des femmes africaines qui sont devenues les mamans adoptives de ces bébés bonobos, jour après jour, ils s'occupent d'eux, et eux, ils s'identifient vraiment à ça, c'est ma maman. Ils choisissent une des femmes comme leur maman. Ils disent, si jamais une femme n'est pas capable de se rendre pour X nombre de raisons, ben ils ont leur deuxième préférée. ils vont suivre toute la journée. Mais sinon, ils ont vraiment besoin d'une maman et ils ont besoin de cette affection. Alors imaginez l'importance que vous avez pour vos enfants. Et l'importance que nous avons lorsque, comme femmes, nous investissons dans d'autres personnes. Alors, c'est important de voir, et cette image m'a vraiment frappée quand j'étais là, de réaliser qu'une mère bonobo, elle peut même pas avoir d'autres enfants pendant 5 ans, parce qu'elle doit seulement s'occuper d'un enfant, ou de l'enfant qu'elle a. Et c'est vraiment particulier. Alors, aujourd'hui, j'aimerais parler d'une mère qui se retrouve dans l'Ancien Testament. J'aimerais aller avec vous dans le livre de 2 Rois, au passage 4, de versets 1 à 7. Et on va voir, et mon message aujourd'hui, c'est le miracle des vases vides. Vous voyez ici, j'ai même illustré pour vous les vases vides. Hein? Donc, il y a toutes sortes de vases ici, et c'est vraiment une belle décoration pour la prédication. Alors, allons dans le texte ensemble. Une femme d'entre les femmes des fils des prophètes cria à Élisée en disant, « Ton serviteur, mon mari, est mort. Et tu sais que ton serviteur craignait l'Éternel. Or, le créancier est venu pour prendre mes 2 enfants et en faire ses esclaves. » Élisée lui dit, « Que puis-je faire pour toi? Dis-moi, qu'as-tu à la maison? » Elle répondit, « Ta servante n'a rien du tout à la maison qu'un vase d'huile. » Et il dit, « Va, demander au dehors des vases chez tous tes voisins, des vases vides. » Dis à la personne à côté de toi, « Des vases vides. » Et n'en demande pas un petit nombre, mais beaucoup. « Quand tu seras rentré, tu fermeras la porte sur toi et sur tes enfants. » Tu verseras dans tous ces vases et tu mettras de côté ceux qui seront pleins. Alors elle le quitta, elle ferma la porte sur elle et sur ses enfants. Il lui présentait les vases et elle versait. Lorsque les vases furent pleins, elle dit à son fils, « Présente-moi encore un vase. » Mais il lui répondit, « Il n'y a plus de vase. » Et l'huile s'arrêta. Elle alla le rapporter à l'homme de Dieu et il dit, « Va vendre l'huile et paye ta dette et tu vivras, toi et tes fils, de ce qui restera. » Alors, prions ensemble avant de rentrer vraiment dans ce passage. Seigneur, je te remercie pour ta présence parmi nous. Je te remercie aussi, Seigneur, pour cette journée où nous honorons les mamans, comme cette mère, cette veuve, Seigneur, qui se retrouve devant un défi. Seigneur, il y a des mamans qui peuvent avoir des défis aujourd'hui, qu'il y a aussi des personnes qui sont peut-être des pères, des autres, des fils, des filles, qui ont aussi des défis, Seigneur, et tu veux parler à chacun d'entre nous aujourd'hui, et non exclusivement, mais inclusivement, dans ton nom tout-puissant, nous prions. Amen. Amen. Alors, premièrement, la chose qui arrive à cette dame, c'est qu'elle a un problème. Vous voyez, c'est une maman veuve qui a un gros problème. Et la première chose qu'elle fait dans le texte, c'est qu'elle va crier à Dieu, à l'homme de Dieu, mais c'est symbolique pour crier à Dieu.
Et cette mère veuve est maintenant monoparentale. Elle se retrouve dans une situation désespérée. Son mari, un homme de Dieu qui craignait Dieu, elle, même qu'elle le mentionne qu'il craignait Dieu, est mort. Sa mort a fait d'elle ce que craignent toutes les femmes de son époque, de devenir veuve, sans soutien financier. Car ses fils aussi, en plus, on peut voir dans le texte, ils sont trop jeunes pour la soutenir. Ils ne sont pas à un âge ou dans une situation de vie où ils peuvent l'aider. Et elle semble, dans le texte, devoir une dette à un créancier. Et dans ce temps-là, si tu n'arrivais pas à payer ta dette, c'était commun que le créancier dise, « Bien, je vais prendre tes fils comme esclaves. Tu vas me les vendre, plus ou moins. C'est comme on va acquitter la dette. » Alors, dans cette situation, maintenant, il y a des théologiens qui vont dire que c'était le mari qui l'a laissé en dette. D'autres vont dire que c'est elle, quand il est mort, qui a dû s'endetter pour survivre. On ne sait pas. Ça ne mentionne pas vraiment comment est venue cette dette. Mais on sait qu'elle risque maintenant de perdre ses fils et son espoir d'un meilleur avenir pour elle et ses fils. Et elle a perdu espoir. Et ce n'est certainement pas comment elle avait envisagé sa vie ou planifié sa vie. Et dans cette perte, cette douleur, cette incompréhension, elle se retrouve vite et sans issue. Et il se peut même qu'elle se soit demandé, mais comment ça, cette chose pouvait même lui arriver à elle, alors que son mari était consacré à l'œuvre de Dieu? Comment Dieu peut-il permettre ceci? Elle est au bout de sa corde. Est-ce que ça vous arrive des fois au bout de ta corde de dire comment cette situation a-tu pu, comment c'est arrivé? Pourtant, je crains Dieu, pourtant je fais ci, pourtant je fais ça. Et tu peux te poser beaucoup de questions. Et elle est au bout de sa corde, elle a des personnes très vulnérables qui dépendent sur elle. Et c'est dans nos moments vides et désespérés que Dieu fait des merveilles et agit avec puissance. Alors, crier à Dieu, c'est simple, n'est-ce pas? Est-ce que quelqu'un va dire ici que c'est difficile, que c'est compliqué? C'est simple, crier à Dieu. Mais c'est rarement la première chose que nous faisons. Rarement. Alors, je me demande pourquoi on a souvent tendance à crier à Dieu en dernier recours. Et ça fait penser à cet homme qui installait un toit en tôle sur sa grange quand tout à coup, il a glissé puis il a commencé à tomber du toit. Il a crié à Dieu de le sauver quand à peine avait-il sorti les mots de la bouche qu'un clou l'a attrapé son pantalon. Puis ça l'a arrêté sa chute. Alors, quand il s'est arrêté, il a dit, « Ah, laisse faire Dieu, je m'en occupe. » Le problème n'est plus que Dieu n'accomplit plus de miracles. Le problème est que nous ne cherchons plus à ce que Dieu accomplisse des miracles. Ce n'est pas que Dieu ne va pas le faire, c'est qu'on pense que Dieu ne va pas le faire, en quelque sorte, ou ne le fait pas. Et parfois, c'est plus facile juste prétendre que tout va bien. En tout cas, pour moi, dans ma vie, que de faire face des fois à la réalité. « Ah, je suis correct, ça va être correct, on va être correct. » Et on préfère prétendre que tout va bien. Et si l'on se le prétend premièrement à nous-mêmes, avant tout, et parfois on va même augmenter nos engagements en dire, « Ben là, je vis ça, ben OK, je vais dire oui à telle chose, puis ah oui, je vais dire oui pour aller m'impliquer dans le soccer puis de mes enfants, ou m'impliquer dans le baby shower de mon ami, puis m'impliquer ici, puis m'impliquer là. » Et on s'implique partout, partout, partout. Et dans toutes sortes d'activités, activités parascolaires, activités à l'église, peu importe, et toutes sortes d'occupations qui, en fin de compte, nous laisseront avec un plus grand sentiment de vide. Car, vous savez, quand on s'occupe, quand ça ne va déjà pas bien, qu'est-ce qui arrive? On est plus fatigué, on devient irritable, frustré que personne ne m'aide dans tous les engagements que j'ai pris, et on s'isole davantage. Et la deuxième chose que je vois que cette femme veuve, a fait de vraiment incroyable, ou plutôt qu'elle le fait dans le texte, c'est que Élisée lui dit, « Que puis-je faire pour toi? Dis-moi, qu'as-tu à la maison? » Alors, c'est comme bizarre, hein? Il répond une question par une question.
Il dit, que puis-je faire pour toi? Qu'as-tu à la maison? T'sais, quand il a dit au début, que puis-je faire pour toi? Elle a dû se dire, waouh, il va m'écrire un chèque. C'est fini, mon problème, il est fini. Wouhou! Je m'en sors parce qu'il veut faire quelque chose pour moi. Mais là, il répond à sa question par une deuxième question, un peu comme troublante, tu sais. Qu'as-tu à la maison? Et sa réponse est assez bizarre, sa réponse. Elle ne répond pas à la première question, mais elle dit plutôt, « Ta servante n'a rien du tout à la maison. » Et là, ici, je vous suggère des points, 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 qu'un vase d'huile. OK? Je vais vous expliquer. Parce que j'étais comme, « Hein, comment? N'a rien du tout. » OK, entre moi et vous, « N'a rien du tout, c'est-tu quelque chose? » Entre vous et moi, « Rien du tout, c'est quoi? » Ben c'est rien du tout. Je suis allée voir si dans le mot hébreu, c'était aussi rien du tout. Alors, allons à l'autre diapo. Et vous allez dire avec moi, c'est ayin. Hein? Ayin. Arien. Ça sent ayin. Arien. Nothing. Et ça veut dire nothing. Not. C'est vraiment négatif. Particle of negation. Comme, c'est négatif. Il n'y a rien. Alors là, je sais comme, OK, comment est-ce allé de « il n'y a rien du tout qu'un seul vase d'huile » Comment est-ce allé de rien du tout à ceci? Est-ce que, je ne sais pas, moi je suis assez imaginaire. Quand que je vois un texte, je l'imagine, je me rentre dedans. Et j'imagine Élisée lui faire un regard un peu comme à la prochaine diapo. quand elle dit « je n'ai rien du tout ». Tu sais, des fois, tu parles avec quelqu'un, puis son visage, il change alors que tu donnes une réponse, puis tu es comme Sauf que tu commences à sentir une pression de dire un peu plus. Ça vous est déjà arrivé? Tu sais, la personne te regarde avec des yeux intenses ou tu sens qu'il faut que tu ajoutes un commentaire. Parce que, entre moi et vous, rien du tout, puis un vase d'huile, c'est comme une contradiction. Et peut-être même qu'elle avait tout vendu dans sa maison hein, pour essayer de payer la dette. Il se peut qu'il n'y avait plus de lit, plus de chaises, plus rien. Je veux dire, ben, je ne sais pas s'il y a des chaises en ce temps-là, mais plus de table, plus rien. Et que là, tout ce qui lui restait, c'est un vase d'huile. Mais cette veuve, face à cette question, sa première réaction, c'est de minimiser ce qu'elle a. Car elle croit rien n'avoir du tout malgré le vase d'huile. On a souvent tendance de faire comme la veuve et l'on minimise ce que l'on a lorsque nous sommes dépassés par ce qui nous manque. Notre pénurie du moment. Sur notre pénurie est tellement notre focus qu'on ne voit même plus ce qu'on a. On focalise sur ce qui manque, sur le négatif. Et l'être humain a tellement tendance à focaliser sur le négatif en passant. C'est vraiment une tendance humaine. Élisée instruit cette veuve en déficit à vérifier son huile. Ce qu'elle voyait comme trop petit et sans valeur pourrait être même considéré ou mentionné au prophète. Dieu voulait l'utiliser comme source de bénédiction pour elle et ses enfants. Il voulait lui enseigner la provision de Dieu. Vision, provision, vision. De ce qu'elle avait déjà entre ses mains, afin que Dieu prenne ce qu'elle a et le multiplie. Amen. Et on sait qu'une femme, Dieu a fait ça avec la femme. Elle prend une semence, elle multiplie. Elle crée un enfant. Elle a ce don. Si Élisée nous posait la même question aujourd'hui face à nos problèmes et disait, « Que puis-je faire pour vous? Qu'as-tu à la maison? » Que répondriez-vous? Vous voyez, l'huile dans la Bible est symbolique de plusieurs choses. On peut parler d'onction, quand on mettait l'huile sur une personne choisie comme roi ou autre. On parle de don. Le Saint-Esprit lui-même est vu comme dans l'huile. La puissance du Saint-Esprit aussi. La joie, la plénitude. C'est des choses qui symbolisent, que l'huile symbolise. Et l'ennemi aime lorsque nous minimisons la puissance de cette huile symbolique dans nos vies. Nous avons tous cette huile à notre disposition, mais l'ennemi veut que nous minimisons sa valeur.
Ce que Dieu a mis en toi, ce n'est pas rien du tout. C'est quelque chose avec lequel il peut multiplier et bénir. Amen. Mais l'ennemi va même nous tenter à comparer notre huile à celle des autres, afin d'encore minimiser sa valeur et son impact pour nous. Mais Dieu ne nous garde pas responsables des huiles des autres, mais celles que nous avons. Aujourd'hui, avec les réseaux sociaux, c'est très facile de toujours se comparer. Comparer si moi, je suis la meilleure mère que elle. Est-ce qu'elle a fait plus d'affaires que ses enfants? Est-ce que, oh, il veut camper? Oh my gosh, ils ont pris la meilleure photo au monde. Ils sont sur les canons puis ils ont l'air tellement joyeux. Mais ce que tu sais pas, c'est qu'avant, ils ont rasé de divorcer tellement la chicane était intense dans le bateau. L'image souvent de la famille parfaite de chez autres. Puis là, on se culpabilise, on se dit « Oh, moi, je ne suis pas assez bonne », puis on prend notre perfectionnisme à bout, puis nous n'arrivons pas à juste profiter des moments que Dieu nous donne là où nous sommes avec nos enfants et nos parents. Là, on veut que ce soit parfait, 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 contrôlé. Lorsqu'on laisse nos insécurités prendre surface ou nos sentiments d'être inadéquats nous paralysent, nous pouvons manquer notre miracle, car notre miracle se cache dans ce que nous avons minimisé alors que nous cherchions à être ce que nous ne sommes pas. Il y en a, là, surtout dans l'Église, j'ai vu ça, ça fait combien d'années qu'on œuvre? Pas mal d'années, et j'ai vu beaucoup de gens s'attacher à des dons particuliers. Ils veulent prêcher, ils veulent chanter ou jouer la musique. Puis des fois, ils ont un don de chant pour la douche ou pour leur maman. Mais ils veulent le don de chanter. Et t'es comme, oui, mais t'es super bon avec les enfants. Oui, mais t'es super bon à accueillir les gens. Oui, mais t'es... Non. Je veux ça, comme l'autre. Et c'est là le problème. Est-ce que c'est l'huile que tu as? Est-ce que c'est ce que tu as dans ta maison? Tu peux regarder ce que l'autre a. Mais des fois aussi, on devient si familier avec notre déficience qu'elle éclipse ou elle dissimule l'huile que nous avons en notre possession. On pense tellement des fois aussi à nos défauts et nos incapacités qu'on n'est pas capable de voir nos talents. Et la question du prophète n'a pas été « Que souhaiterais-tu avoir dans ta maison? » Qu'as-tu dans ta maison? Pas qu'est-ce que tu souhaiterais avoir. Une grosse différence. Qu'as-tu? C'est un reality check. Qu'as-tu dans ta maison? Et c'est ça que Dieu veut bénir. Pas qu'est-ce que tu souhaites avoir. Qu'est-ce que tu as? Ce qu'il t'a donné. Tu es ce vase vide choisi de Dieu. Il veut remplir ce vase vide. Les expériences, les dons et les personnes dans ta vie, ce dont tu as besoin, c'est ce dont tu as besoin pour que Dieu agisse. Le don que tu as, c'est ça qui a besoin. Les personnes qu'il a mis autour de toi, c'est avec eux qu'il veut agir. Les dons qu'il t'a donnés, les expériences du passé sont là pour une raison. Des fois, ton mess devient ton message. La troisième chose qu'on voit dans le texte, c'est qu'il faut s'ouvrir à la communauté. Il faut s'ouvrir à la communauté. Qu'est-ce qu'il lui dit? Il lui dit, « Va, demander au dehors des vases chez tous tes voisins. Des vases vides et n'en demande pas un petit nombre. » Imaginez, t'es comme, « Ah, moi j'ai cogné à la porte de tous mes voisins. » On a besoin des autres. D'être vulnérable à un certain niveau pour vivre des connexions de soutien. Certains vont crier à Dieu toute la journée, mais ne vont jamais s'ouvrir aux autres. Ce n'est pas de leurs affaires. C'est ce qu'ils vont dire. D'autres vont aller à tout le monde, mais ils ne vont pas crier à Dieu. Et c'est là où est-ce qu'il faut la balance. Parfois, les déceptions et blessures du passé nous isolent face aux autres car on préfère se sentir en sécurité que de risquer encore des blessures. Ça, c'est une autre réalité. Des fois, tu t'es ouvert à d'autres, mais tu t'es fait mal.
Et pour vivre en communauté, il faut une certaine mesure de vulnérabilité et d'échange. C'est important. Il faut partager de soi-même avec la communauté. Ça ne veut pas dire qu'il faut se dire à tout le monde. La veuve a peut-être pas dit tous les détails à tout le monde. Non, elle a dit tout à Élisée quand elle a crié à Dieu. Mais après, elle n'est pas allée dire tout à tout son voisinage, mais elle est allée en dire assez. Elle est allée en dire assez pour avoir les vases. Et ça, c'est trop dire partout, comme s'il n'y a pas de restreint à ta bouche, ça serait manquer de sagesse. Et ce n'est pas ce qu'elle a fait. Elle devait aller de porte en porte et demander le soutien de ses voisines en demandant des vases vides. Et la communauté fut essentielle dans le miracle de cette veuve et dans sa restauration. Sans la communauté, il n'y a pas ces vases. Et la communauté chrétienne est essentielle pour notre croissance à nous aussi. Pour notre protection contre l'isolation et la pauvreté spirituelle. Le Satan, il est quoi? Il est un lion rugissant, cherchant qui dévorer. Dans la nature, les lions dévorent qui? Les gazelles isolées qui sont en dehors du troupeau. Les malades qui sont trop lentes pour suivre le troupeau. C'est eux qui se font dévorer. Ce n'est pas ceux qui sont dans le troupeau, en général. C'est trop d'efforts pour le lion. Le lion va aller chercher celui qui est isolé. Et s'il est capable de t'isoler, ça va bien. Il t'a. Et si personne ne sait rien sur toi et que tu te méfies de tout le monde, comment pourrait-il te soutenir dans des temps de besoin? Ceci doit être fait avec des limites saines, et c'est vrai. Et les limites saines, j'en ai parlé dans le passé, si vous voulez même voir dans le site web, j'avais parlé sur les limites. C'est comme des clôtures avec des portes que l'on peut avoir de l'échange. C'est pas le mur de Jéricho. OK? C'est pas un mur de muraille, c'est un mur clôture qu'on peut... Je peux aller dans la cour de l'autre, il peut rentrer dans... Il y a des échanges, OK? Mais c'est pas non plus une cour sans clôture, tout ouvert pour que n'importe qui, n'importe comment passe dessus. Non, il y a quand même des limites, c'est important. Et quand on vit en communauté, on a besoin d'avoir des bonnes limites. Mais la communauté est importante. Et en 2011-2012, on vivait une situation hyper difficile, moi et mon mari. Et puis, on avait été à un jeûne et prière avec l'ACF, l'Association chrétienne pour la francophonie, à laquelle nous sommes affiliés. Et on a un ami là-bas qui s'appelle Pasteur Stéphane, si on peut le mettre à l'écran. Il est venu, en fait, en mars ici. Cette photo a été prise en mars alors qu'il flattait notre chien. Et puis, Pasteur Stéphane, c'était vraiment quelqu'un qu'on avait appris à connaître, je dirais, en 2005-2006. Puis, en tout cas, on avait établi une belle amitié avec lui. Puis, dans la crise que nous vivions, une crise qui était vraiment à plusieurs paliers, nous vivions un temps très difficile, on avait été à ce jeûne et prière, et il nous avait pris, puis c'était comme, il priait avec nous, on priait avec lui, puis les trois, on avait l'air vraiment comique. On se tenait comme ça, puis on était les larmes coulaient, le nez coulait, c'était juste... Mais ce moment où est-ce qu'il nous a tenus fort, puis il nous tenait, puis il priait, puis il pleurait avec nous, ça l'a tellement marqué, ça a tellement soudé, que je dirais que peu importe les temps qu'on va faire sans lui parler, la minute qu'on se parle, c'est comme s'il n'y a jamais eu temps entre. Et ça crée ce lien, ça crée cet échange. Et lui aussi, quand il a vécu des temps plus difficiles, on était là, on lui a offert notre temps et tout ça. Et c'est vraiment la communauté, ça garde vraiment le sentiment, le poids que tu vis tout seul, que tout est difficile, c'est libéré. Après, on s'est senti tellement léger et tellement prêt à affronter les choses qu'on devait affronter. Et l'amitié, comme ça, c'est important d'en avoir. Tu dois avoir des gens comme ça dans ta vie.
Et s'il n'y en a pas, ben c'est le temps que tu pries pour en avoir. Parce que c'est important d'avoir des gens qui vont être là pour toi, qui ne vont pas te juger, mais qui vont te soutenir. Ensuite, dans le texte, elle dit, ça dit, « Alors elle le quitta, elle ferma la porte sur elle et sur ses enfants, et lui présentait les vases et les versets. » Alors, ce qu'on voit ici, ce que la veuve a fait, c'est fermer la porte. Elle a fermé la porte. So, oui, il y a la communauté, il y a des choses importantes de vivre en communauté, mais il y a des temps où il y a des choses qu'il faut vivre avec les plus proches et Dieu dans le privé. Et la veuve a fermé la porte, se retrouver seule avec ses fils, ça les concerne eux directement. Imaginez, ils peuvent devenir esclaves pour plusieurs années jusqu'au jubilé. Ça, c'est long. Alors, elle est là, elle est seule avec ses fils, l'huile et les vases vides. Et les voisins savaient, mais ne savaient pas tout. Il y a des moments où il faut fermer la porte et vivre le miracle en intimité. Tu peux être vulnérable avec les autres, mais quand même avoir de la privacy. Tu comprends? D'avoir quand même ton propre identité ici. Et il y a des gens pour qui tu ne peux pas cacher des choses. Ça les concerne. Et ce qui semble être un moment d'extrême faiblesse pour cette famille, pour cette femme, cette veuve, cette mère, devient le moment où cette veuve va bâtir la foi de ses fils. Ils seront participants au miracle de l'huile. Il y a des moments où nous devons fermer la porte. Jésus a dit, « Mais quand tu pries, entre dans ta chambre, ferme ta porte et prie ton Père qui est là dans le lieu secret, et ton Père qui voit dans le secret te le rendra. » Dans Matthieu 6:6, il y a des combats qu'il faut mener avec un groupe restreint et de confiance et en privé. Et là, le point le plus important, c'est le cinquième, c'est déverser. Et j'aimerais appeler mes fils avec moi. Vous voyez mes beaux grands garçons, venez ici, je vais juste bouger ça ici, pour qu'on puisse. Alors, selon le texte, c'est ses fils qui amenaient les vases pour qu'elle met l'huile dedans. Alors, c'est ce que vous allez me faire. Vous allez m'amener les vases et une fois remplis, on les laisse ici. Alors, et on voit, et des fois, tu te dis, mais j'ai juste ça. J'ai juste ça. Comment est-ce que je peux vider? Attendez, faut que je remplis avant que tu en amènes d'autres. Attendez. Quand on ne peut, vous savez ce qu'on veut faire? On veut garder pour nous. Mais Dieu dit, déverse. Déverse. Donne de ton temps. Donne de ton énergie. Donne de tes sous. Mais tu dis, Seigneur, j'en ai presque pas. Mais c'est là que Dieu dit, déverse. Et le miracle se passe. Et vous voyez que à chaque fois qu'elle versait, l'autre se remplissait. C'était vide, mais maintenant tout ceci était rempli. Alors allez me chercher un autre. Peu importe les grosseurs, on ne sait pas qu'est-ce que les voisins avaient. Hein? C'est vrai. Hein? Tu vois, mes fils, ils ont du sang gaussier, ils aiment aller vite. Plus vite que l'huile. Et là, ici, est-ce que c'est tout? Yeah. Alors, quand ce fils, on dit, je dis, peux-tu m'en amener un autre? Qu'est-ce que tu dis? C'est tout. C'est tout? C'est beau. L'huile arrête. L'huile arrête. Merci. Est-ce qu'on peut donner une main à mes grands-fils qui m'ont dépassé en taille depuis plusieurs années déjà? Alors ici, on voit l'exemple, et c'est vraiment touchant, n'est-ce pas, de le voir, de le mettre en action, de réaliser qu'un petit pot a rempli tout ça. Imaginez l'excitation des enfants. Ça marche! Ça marche! Ouah!
Et dans les temps de pénurie, souvent, c'est le contraire qu'on veut faire. On vous dit, mais c'est un risque. Qu'est-ce qui arrive si je glisse là-dedans, puis là, ça ne marche pas? C'est stressant, tu as des témoins devant toi de ce qui va arriver ou pas arriver. Et souvent, on a tendance à vouloir tout conserver, ce qui nous reste, chaque minute, chaque parole, chaque sou, et à garder cela pour nous. Mais le prophète, il dit, déverse ton huile dans les vases vides et mets de côté ceux qui seront pleins. Ils étaient ici vides, ils sont maintenant ici parce qu'ils sont pleins. Imaginez-vous être devant ça, des vases vides, le restant d'huile dans votre main et vos fils tenant un vase vide devant vous et de juste verser. Et nous, dans le texte, quand on le lit, on sait que la maison sera pleine d'huile à la fin du passage. Mais cela n'arrive pas sans qu'elle déverse en premier le peu qu'elle a. Et souvent, voici la problématique, est que lorsque nous nous sentons pauvres, nous ne déversons pas. On veut conserver. Et si tu te sens inadéquate comme maman, tu ne voudras pas plus te déverser dans tes enfants. Tu vas te sentir inadéquate, tu vas vouloir t'isoler dans toi-même. Quand le besoin est trop grand et que ta provision est trop basse, tu ne veux pas donner plus. Tu dis non, il faut que je regarde parce que demain, je n'aurai pas. Tu te décourages et le désir d'abandonner devient impressionnant. Ça devient tellement fort, tu veux abandonner parce que tu ne vois pas le résultat. Mais l'huile se multiplie seulement si tu la déverses, sinon rien, mais rien n'arrive. Et trop d'entre nous avons arrêté de déverser. Et Dieu nous appelle aujourd'hui à se déverser. Et on a tendance à dire, je vais déverser quand j'aurai plus. Mais le miracle se fait seulement lorsque l'on déverse. Et on laisse l'ennemi nous faire croire que parce que les gens ne nous apprécient pas, que nos enfants ne sont pas reconnaissants, que nos parents ne nous félicitent pas assez, que ça ne vaut pas la peine de se déverser en eux ou dans d'autres gens. Et on préfère la préservation et cela devient une prophétie autoréalisatrice. Car si tu arrêtes de te déverser, il n'y a rien à apprécier. Et rappelons-nous, que ce n'est pas pour l'appréciation des autres, ni pour eux que nous déversons, puisqu'ils ne sont pas notre source. C'est le Seigneur que nous, pour qui nous nous déversons. C'est lui notre source. Que les gens apprécient, que les gens n'apprécient pas, continue à... Yes! Que les gens restent, que les gens te quittent, continue à... Et je regardais dans les synonymes de déverser, vous saviez quel mot il y avait? Servir. Ça m'a frappée. Déverser, servir. C'est des synonymes. Alors que tu déverses, Dieu déversera en toi. Alors que nous prions que Dieu agisse, il nous dit déverse. Et Luc 6, 38 dit ceci. Donnez, il vous sera donné. On versera dans votre sein, une bonne mesure, serrée, secouée et qui déborde. Car on vous mesurera avec la mesure dont vous vous serez servi. Jésus dit en fait d'être généreux avec ton temps, ton amour, ton encouragement, ton argent. Il dit de donner car c'est ce qui sera mesuré, ce que nous donnons, pas ce que nous accumulons. Tu ne peux pas déverser si tu es trop occupé à voir ce que les autres ont ou à juste accumuler. Remarquez que l'huile a seulement coulé lorsque les vases étaient prêts et vides. Assure-toi que tes vases sont vides car Dieu ne peut pas remplir ce qui est déjà plein. De quoi es-tu plein qui empêche Dieu d'agir? Ça fait penser à Proverbe 27, 7. Qui dit « Celui qui est rassasié foule aux pieds le rayon de miel, mais celui qui a faim trouve doux ce qui est amer. » Vous comprenez la nuance ici? T'es plein, même le beau miel doux, tu vas faire « Bah, je suis plein. » Mais quand tu as faim, t'es prêt à même prendre quelque chose d'amer. Tellement tu as faim. «
Mais si tu es pleine des choses du monde, tu n'auras pas la place pour le déversement de Dieu, tu seras rassasié. Il faut te vider et il faut que nous nous vidons de notre orgueil, de nos opinions, de nos peurs, de nos doutes, de nos jalousies, nos comparaisons. Quoi d'autre que nous devons nous vider? Il y a beaucoup de choses qu'on peut devoir se vider. Nos envies, nos désirs charnels. Et de venir devant le Seigneur et lorsque nous sommes vides, son huile va couler. Son huile va couler. 2 Corinthiens 4, 7 dit, « Nous portons ce trésor dans des vases de terre afin que cette grande puissance soit attribuée à Dieu et non pas à nous. » Alors, tu continues à déverser même dans les temps difficiles, dans l'échec. Ça, c'est difficile. Tu viens d'échouer, mais Dieu te dit, « Déverse! » Lorsque d'autres autour de toi sont bénis, ton ami qui est enceinte par accident alors que toi t'essayes depuis longtemps puis que t'arrives pas, mais tu te déverses quand même. L'autre personne au travail qui a eu la promotion que tu voulais, Dieu dit, déverse! C'est pas facile de se déverser dans des situations comme ça, mais c'est là que le miracle va arriver. Et là, remarquez, qu'il y a une autre étape, et la dernière, et le dernier point qu'elle a dû apprendre à faire, c'est de gérer maintenant la bénédiction. Lorsque les vases furent pleins, elle dit à son fils, « Présente-moi encore un vase. » Mais qu'est-ce qu'il lui répondit? Quand j'ai dit à Israël, « Donne-moi un autre. » Il a dit, « Il y en a? » Il n'y en a plus. Alors, il n'y en a plus de vase. Et l'huile s'arrêta. Alors, elle alla le rapporter à l'homme de Dieu et il dit, « Va, vendre l'huile et paye ta dette. Et tu vivras, toi et tes fils, de ce qui restera. » Donc, il y avait assez d'huile pour non seulement payer sa dette, mais pour pouvoir lui donner des années où elle aura un soutien financier. Elle a eu une bénédiction. Elle a eu une restauration. Mais avec ceci vient la gestion. Elle doit vendre l'huile en premier, payer sa dette, number one. Ses fils ne seront plus esclaves, gloire à Dieu. Elle ne va pas perdre ses fils. Et elle aura un surplus pour vivre avec ses fils. La bénédiction, le miracle peut venir aussi avec des stress. Et c'est là où Dieu nous appelle et nous demande d'être des bons intendants de ce qu'il nous donne. C'est important. Alors, pendant que l'équipe de louange va s'avancer, aujourd'hui, je ne veux pas vous garder longtemps, je sais que plusieurs ont des dîners, ont des choses de famille à faire. Mais certains d'entre vous, vous êtes dans la même situation que cette veuve. Vous n'avez peut-être pas assez pour survivre. Vous passez peut-être au travers des pires circonstances de votre vie en ce moment, où vous vous battez pour votre survie. Et Dieu vous dit ce matin que c'est dans ce moment qu'il faut déverser, que vous devez continuer à déverser, que le miracle arrive seulement quand tu es en mouvement. C'est en déversant que tu vas expérimenter la force, la grâce, la joie de Dieu, qui vient seulement quand tu déverses. Tu déverses avec une vision pour une raison maintenant. La veuve, elle savait pourquoi elle déversait pour le rachat de ses fils. Elle voulait les sauver de l'esclavage. Et peut-être que tes enfants aussi sont devant une forme de menace d'esclavage spirituel en ce moment. Et Dieu t'appelle à justement déverser. Si tu as arrêté ou cessé d'espérer et de déverser, Dieu veut réveiller ceci en toi ce matin. Puis Satan va te faire à croire que tu n'es pas qualifié. Satan va te faire à croire que tu n'as rien à donner. Satan va te faire à croire les plus pires des mensonges. Mais Dieu dit, déverse. Ce que tu as à la maison. Qu'as-tu à la maison? Alors si aujourd'hui, tu te sens comme cette veuve, si tu te sens vide et isolé, découragé,
N'attends pas de te sentir plein avant de déverser. Ça va être un sacrifice au début, mais Dieu va l'honorer. Et si tu veux que Dieu l'utilise pour aussi être un soutien pour ceux qui ont besoin de la communauté, il y en a qui peuvent dire, « Bien, moi, ça va bien en ce moment. » Mais peut-être que toi, maintenant, tu peux être le soutien pour quelqu'un. Peut-être que Dieu veut ça de toi, d'être la voisine qui donne le vase. Ou peut-être tu as vécu un miracle et maintenant tu veux aussi la sagesse pour gérer cela. Pendant que le chant, on va chanter ensemble. Si vous voulez de la prière pour une de ces choses, venez à l'avant, on va prier. On va prier afin que Dieu nous donne cette force, ce courage d'encore une autre fois déverser et de pouvoir être là pour la communauté, de pouvoir s'impliquer davantage. Je vais laisser. Je viens me prosterner et digne de m'approcher. Je chanterai à jamais ta gloire, ô majesté. Je chanterai à jamais, prince d'éternité. Gloire. Les cieux m'ont raconté l'éternelle destinée. Tu es le Rédempteur, le Tout-Puissant Sauveur. Je chanterai à jamais ta gloire, ô majesté. Je t'aimerai à jamais, prince d'éternité. Gloire.
Alors, je suis ici, il y a Pasteur Pierre aussi, puis il y a Pasteur Manny. On peut prier pour ceux qui ont encore besoin de prière, mais on aimerait au moins souhaiter joyeuse fête des mères encore une autre fois à tout le monde, et vraiment que vous puissiez aller et vivre puissamment en vous déversant et en continuant avec foi à croire au miraculeux. Dans le nom tout-puissant de Jésus, on dit Amen. On peut donner une main d'applaudissement pour la parole du Seigneur.